Le long voyage du pingouin vers la jungle. Bonjour à tous, nous allons vous raconter l'histoire du long voyage du pingouin vers la jungle, écrite par Jean-Gabriel Norman. Nous vous conseillons d'être silencieuse pour profiter de cette belle histoire. Une nuit sur la banquise, tout en haut au pôle nord, là où tout est blanc de neige, notre petit pingouin n'arrive pas à dormir. Sa maman s'inquiète. Il lui dit qu'il veut voyager vers le pays des couleurs. Sur la banquise, tout le monde est endormi. Le pingouin, seul, est prêt à partir. Il fait des exercices de présentation. Je suis le pingouin. Puis, il plonge dans l'eau glacée. Son voyage commence. Adieu, banquise! C'est la nuit. Notre pingouin nage en chantant et il réveille la petite sirène. Elle est la petite sirène de Copenhague et son histoire est très connue. Le pingouin lui explique qu'il fait un grand voyage vers les pays des couleurs. Dans l'immense océan, notre pingouin est perdu. Il demande de l'aide à une oie sauvage qui vole dans les ciels. L'oie sauvage lui explique où sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le pingouin continue alors son chemin vers le pays des couleurs. Fatigué de nager, notre pingouin s'était endormi sur le dos d'une énorme baleine qui n'entendait plus très bien. Il la réveille. Dame Baleine lui conseille de ne pas devenir amie avec les hommes. Mais... Malheureusement, notre pingouin est prisonnier dans les mailles du filet des pêcheurs. Les marins se moquent de lui et veulent le vendre. Heureusement, il arrive à se libérer, mais au même moment... Eric, le fils du capitaine, tombe à l'eau. Le petit pingouin, très courageux, plonge et sauve le petit Eric. Tous les marins le félicitent. Bravo! Bravo! Pour le remercier, petit Eric lui donne sa très jolie montre. Quel drôle de cadeau pour un pingouin! Le pingouin continue son voyage, mais bizarre, l'eau devient tout noire. Barbe Nègre, la vilaine pieuvre des tropiques, veut l'attirer vers elle. Barbe Nègre est amoureuse du pingouin et lui offre un magnifique collier. Mais notre petit pingouin a peur de la vilaine pieuvre. Il est très inquiet. Petit pingouin se cache avec des algues et ne bouge plus. Barbe Nègre, furieuse, s'en va. Notre pingouin décide alors de quitter l'océan pour voyager autrement. Petit pingouin vend son beau collier et s'achète un billet pour monter dans un grand bateau de croisière. Sur le bateau, notre pingouin découvre la lecture. Il veut lire tous les livres. À la descente du bateau, petit pingouin donne la jolie montre d'Eric en échange de son livre préféré. Arrivé en Afrique, petit pingouin rencontre une Africaine, toute noire. Lui qui est tellement pressé de voir des couleurs ne veut plus s'arrêter. Au revoir, Madame l'Africaine. Dans la jungle, il fait très chaud. Notre pingouin se protège avec son livre. Tiens, qui est cet animal noir et blanc comme moi? Bonjour, cousin, dit le zèbre. Le zèbre lui donne beaucoup de conseils pour éviter les dangers de la jungle. Au pays des couleurs, les animaux voient notre pingouin s'approcher.
Il propose de faire une fête pour accueillir ce grand voyageur. Fatigué par la chaleur, notre pingouin s'endort en chemin. La panthère va le chercher et le porte sur son dos. Les pingouins endormis font une crotte. Le rire des animaux les réveille. Notre pingouin leur raconte son voyage en chantant. Tous les animaux admirent notre pingouin voyageur. Ils veulent qu'il devienne le roi de la jungle. La panthère propose même de lui construire une maison. La nuit tombe au pays des couleurs. La fête est finie. Tous les animaux sont endormis, sauf notre pingouin qui regarde la lune. Il a fait un long voyage. Ne veut pas devenir roi. Sa banquise lui manque. Comme c'est étrange de devenir roi. Merci beaucoup pour ton attention. Nous espérons que cette histoire t'a plu. Son adaptation et sa mise en voix ont été réalisées par les élèves de CE2-CM1C du lycée français de Cali, accompagnés de leur enseignante Coralie Villeport.